Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right, man, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya. Salut tout le monde! Eh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit que quoi de mieux que de faire un comeback en faisant une vidéo présentation de mon chien. Qui d'ailleurs, le voici, Shadow, il est beau, non? Vous étiez nombreux et nombreuses à me poser des questions sur Facebook, fait que j'en ai choisi que quelques-uns. Veuillez m'excuser si je ne vous ai pas toutes choisies. Commençons par la première question. Est-ce que tu as fait des recherches concernant sa race avant de procéder à son adoption? En fait, cette adoption, c'était une adoption de dernière minute. Une idée de ma mère qui, soit dit en passant, je la remercie amplement car c'est un très beau cadeau. Merci maman, je t'aime fort. Tu m'as vraiment fait le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir. Puis la raison pourquoi on m'a acheté un chien, c'est que ma mère avait découvert que je filais pas bien ce temps-ci, que je faisais un petit peu de dépression, que je m'ennuyais, j'étais souvent tout seul, puis que je trouvais que c'était plate. Fait qu'elle a décidé de m'acheter un chien pour me tenir compagnie. Puis ainsi avoir un vrai ami fidèle, ce qui est en plus profit. C'est un cocker espagnol anglais, ou épagnol si vous préférez. C'est un chien qui à la base est utilisé pour la chasse, car c'est des chiens qui sont broussailleurs, qui peuvent renifler des gibiers à des kilomètres. Prochaine question. Il mange quoi? Ben, la nourriture basique, comme les croquettes pour chiens de la marque Royal Canin. Tu sais, quand il était bébé, ben, il prenait la nourriture pour chiot, justement. Puis depuis qu'on l'a fait castrer, là, depuis fin mars, début avril, on a switché pour le remplacer par de la nourriture pour chien adulte. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas changé sa nourriture, puis il se nourrit bien. Ah, puis d'ailleurs, il ne fait pas que se nourrir de croquettes. Il se nourrit aussi de bouffe de table. Non, mais sérieusement, comment vous pouvez résister à ça? There's too much smoke to see it. Non, non, Shadow, ferme pas ces yeux là. There's too much broke to feel it. Non, pas ces yeux là, please. I love you, I love you. Bon, ok, ah ouais. Prends-en. Ah ouais, vas-y. Ouais. Le coup du regard. Ça marche à tous les coups, ça a l'air. Fais-tu son une heure d'exercice par jour? Il fait bien plus qu'une heure d'exercice par jour. Je l'emmène à chaque jour au parc à chiens. Je le fais courir avec moi. C'est un chien très, 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 très sportif. Puis très endurant. Des fois, c'est lui qui tient le bicycle. Il est vraiment fort pareil pour un petit chien. C'est quoi la chose la plus difficile que tu trouves quand tu dresses ton chien? Bien, la chose la plus difficile, c'est la patience. Car moi, de base, je suis quelqu'un d'assez impatient dans la vie. Puis depuis que j'ai ce chien, il a fallu que je m'adapte, que je sois plus patient. Fait que depuis ce temps-là, ben, ça va bien, là. Il est bien dressé. C'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, mais ça va venir. En vieillissant, il va être
très bien dressé, je vous le garantis. T'entends-tu bien avec les autres chiens? Il s'entend avec tout le monde. Que ce soit chat, chien, bébé humain, il fait pas la différence. Il aime tout le monde. C'est un chien extrêmement sociable. Toujours joyeux, il est toujours content, il a toujours la queue qui remue. Je l'ai rarement vu triste. C'est rare que je le voie triste. Il est toujours joyeux. Il fait qu'il a apporté du bonheur dans ma vie, sérieux. Il a quel âge? Son défaut, sa qualité? Est-il propre? Est-ce qu'il mange beaucoup? Tu l'as acheté où? Le 18 septembre, il va avoir un an. Déjà. Le temps passe tellement vite. Son défaut, c'est que c'est un chien extrêmement têtu qui se laisse rarement dominer par d'autres chiens. C'est pas un chien qui avance, soumet à un chien plus fort que lui. C'est un chien extrêmement déterminé dans la vie. Puis pour ce qui est de sa qualité, ben, c'est. Il est toujours joyeux, il est toujours de bonne humeur. Je peux rien dire de mieux. C'est un chien qui fait que. Est toujours heureux dans la vie. Combien de tours peut-il faire? Je dirais. Peut-être une bonne dizaine de tours, à peu près. Une bonne dizaine. Est-ce que ton chien dort avec toi ou dans une cage? Comment gères-tu quand il fait des mauvais coups et des bons coups? Comment ton chien agit envers les autres chats et chiens? Bien, au début, vu que c'était un bébé et qu'il n'était pas encore nécessairement propre, il a dormi dans une cage à côté de moi, à côté de mon lit, c'est-à-dire. Puis, à partir de 5 ou 6 mois, on l'a enlevé à la cage, puis il a commencé à dormir dans mon lit. Puis depuis ce temps-là, ben, il dort qu'avec moi dans mon lit. Toujours avec moi. Et je peux vous dire que c'est un chien qui fait énormément de bêtises. Ouais. Comme je pourrais vous en nommer quelques-uns. Deux paires de pantoufles de manger par Shadow, hein? Ainsi que des lunettes. Et mon appareil auditif. Ouais. C'est un petit talent, ce chien-là. Est-ce une race qui perd beaucoup son poil? Quels sont les traits de personnalité de la race? Je pourrais te dire, ouais, ça perd son poil, quand même. Fait que faut que tu le brosses régulièrement. Si tu veux avoir cette trace-là de chien, faut que tu le brosses assez régulièrement. Puis ses traits de personnalité, ben c'est la gaieté. Il est joueur, il est joyeux. Il est content, il est curieux. Il est adorable. Il est affectueux, il est pas colleux dans le fond. Bref, c'est un chien vraiment. Pour moi, c'est le chien parfait. Je sais que personne n'est parfait, mais pour moi, ce chien-là, il est parfait pour moi. Il vient de quel élevage? C'est quoi l'histoire de la race? Il y a des problèmes de santé connus pour cette race? Pourquoi tu as choisi cette race, cet élevage et surtout ce chien en particulier? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un chien fait pour la chasse. Non, ça n'a pas grand problème de santé. Néanmoins, la dysplasie de la hanche, comme parmi tous les chiens. Fait qu'il faut checker régulièrement les hanches pour s'assurer que rien n'est grave puis qu'il ne soit pas atteint de ça. Il y a aussi les oreilles. Il faut nettoyer régulièrement les oreilles. Car c'est un chien qui peut facilement attraper des otites. Fait qu'il faut les nettoyer régulièrement. Puis les yeux, c'est faut les nettoyer aussi régulièrement. Combien de temps ça lui prend d'apprendre un taux? Quels sont les taux qu'il connaît? Ça dépend du type de taux que je veux lui apprendre. Mais en général, ça lui prend peut-être de quelques minutes à quelques jours à peu près. Assis! Bon chien. Couche. Debout. Voilà. Reste. Bon chien. Tourne. Roule. Bon chien. Saute. Ouais. Attrape. Ouais. Pas.
Mon chien. Faites beau. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Mon chien. Faire dégriffer son chien, est-ce difficile? Eh bien, si tu veux dire dégriffer dans le sens de couper les griffes avec un coupe-ongle, fait pour les chiens évidemment, eh bien oui, c'est quand même difficile. Pourquoi? Parce que Shadow a des griffes noires. Fait que, vu que ses griffes sont foncées, on voit pas le nerf à travers de ses griffes. Fait que c'est assez difficile, puis c'est assez délicat. On laisse ça à un vrai professionnel qui coupe les griffes, puis c'est ça. Fait que c'est assez difficile, ouais. On n'ose pas trop couper les griffes nous-mêmes. As-tu une assurance maladie pour Shadow? Si oui, as-tu pu l'expérimenter et est-ce que tu la recommandes? Je pourrais pas te répondre à ça parce que mon chien, il a pas d'assurance maladie. Donc, non. Mais ça serait bien qu'il y ait une assurance maladie. Ça serait peut-être pratique. Comment as-tu trouvé son nom? En fait, j'avais le choix entre Shadow, Rocky ou Rambo. Puis Shadow, ça a été ce que j'aimais le plus comme nom. Puis entre vous et moi, là, il porte très bien son nom. Eh oui, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Shadow. Est-il actif? Oh oui, c'est un chien très actif. Tu as besoin de beaucoup dépenser son énergie. S'il dépense pas son énergie assez, oublie ça, tu dors pas de nuit. Quelle vitesse peut atteindre en courant avec toi en vélo? Le coquin anglais, d'après ce que j'ai lu, peut atteindre une vitesse de 60 km/h. À peu près. Donc, mais en vélo, j'ai pas calculé. Malheureusement. Désolé. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un chien? Par exemple, c'est quoi les côtés positifs d'avoir Shadow dans ta vie? Et c'est quoi les difficultés? C'est sûr que c'est toujours dur de dresser un chien. C'est toujours dur de dresser un chien. C'est comme éduquer un enfant. Mais à long terme, ça peut te rapporter que du bonheur. Sérieux? Je vous conseille, si un jour vous vous sentez pas bien, je vous conseille acheter un chien. Ça peut vous apporter que du bonheur. Aime-t-il sa nouvelle carrière? Ah, il trippe, sérieux, là, c'est... Il trippe vraiment sur cette carrière-là. Vraiment, là, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu lui offrir. Comment réagit ton chien lorsqu'il se retrouve seul? Étant donné que vous êtes souvent ensemble, est-ce qu'il fait de l'anxiété de s'évasion? Et comment le gères-tu si c'est le cas? Sinon, aurais-tu des trucs pour ça? En fait, Shadow, c'est une race de chien qui supporte très mal la solitude. Ce qui veut dire que, oui, il pourrait pas faire de l'anxiété de séparation, mais il pourrait paniquer en étant seul quand il ne supporte pas d'être seul. Fait que oui, des fois quand je laisse seul, il panique, il hurle, il fait n'importe quoi. Mais ça dure que quelques minutes. Après ça, il se calme, il va se coucher ou il joue avec ses jouets, puis le reste du temps, ben, tout va bien. Dans le fond, le seul truc que je pourrais te donner pour l'habituer, c'est de commencer dès son plus jeune âge. Dès que tu l'as, ton chien, commence par l'habituer avec seulement quelques minutes d'absence. Après ça, tu le félicites, tu lui donnes une gâterie, puis ça, puis au fur et à mesure, il va finir par s'habituer d'être seul. On est rendu à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Venez vous abonner en grand nombre sur ma chaîne YouTube. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, partout. Et je vous dis à bientôt et on s'en va pour une prochaine vidéo. Ciao!